J'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près bien. Après avoir été donné à manger au chien, je peux pas avancer. Il m'a fait partout. Mais partout. Je peux pas mettre un pied sans marcher dedans. Bon, comme j'étais pas réveillée, j'ai dit, je reste asseoir. C'est obligatoire. Parce que là, je laisse passer comme ça. Je me suis désinfecté les mains avec la crème. Oui, bah oui. Parce que je ne supporte plus ça, ces machins-là. Ouais, j'ai agressé. Suis en train de tourner. Ah ben, je sais pas, dis-le. Voilà, je suis en train de tourner. Ben, je sais pas. Tiens, bah, je vais te donner ça puisque je supporte plus. Et t'en as un là-bas. Non, je savais pas, il a débarqué. Oh bah. Ça désinfecte tout. Tu désinfectes tes mains, voilà. Je prends la crème maintenant parce que ça m'esquinte les doigts, ça. Après avoir été donné à manger au chien, j'ai commencé le diamond painting et j'ai pas pu continuer. Je suis out. Je suis complètement out. Ça va être une vidéo blabla parce que pour l'instant, bah, mes yeux, ils veulent pas s'ouvrir. J'ai été en chemise de nuit, rentré dans le pantalon. Avec mon sweat fermé jusqu'au cou. J'ai ramené quelques petits trucs pour le scrap. Et je crois que je vais faire un peu de découpe aujourd'hui parce que bah, c'est. J'en ai un peu assez de faire du diamond painting. Là, j'ai bien avancé. Je vais vous montrer. J'enlève le qui tient le téléphone. J'ai super bien avancé. Voilà. Voilà. Donc, et ma boîte est tombée. Je remets le carton pour tenir le téléphone. Voilà. Je vais ramasser ma boîte. Et qu'est-ce que ça fait? Non. Bon. Je vais faire mes découpes. Donc, je mettrai le téléphone là-haut, en haut, quand je ferai les découpes, parce que c'est des découpes. Mes feutrines et feutrines brillantes, la plus dure, moins épaisse. Voilà. Donc, juste un petit coucou avant de démarrer la journée. Mais vous étonnez pas, hein, j'ai plus de vêtements. Il faut qu'ils soient lavés. Donc, je serai en chemise de nuit et pantalon de survêt. Voilà. Donc, voilà, je suis obligée. J'ai même pas cherché chez moi. Je sais que j'ai plus rien. Donc voilà. Tu pourras faire la machine, s'il te plaît, chérie? Oui. Parce que là, j'ai plus rien. Là, je suis coincée.
Même pas si j'ai un haut quelque part. Il me le laisse, il est en haut quelque part. Mais non, pour me changer. Eh ben, si tu veux le laver. Mais non. Non. Moi, je suis dans la même chose que la mienne. Des fois, je me demande s'il comprend. Ah oui, non, mais. Normalement, j'ai mon haut noir quelque part, mais je sais pas où. Donc, chercher, on va chercher. Non. Non plus. Temps de se changer. Un haut violet qui m'a donné. C'est plein de poils encore. Vas-y, je vais voir de ça. Ah, puis ça s'accroche. Hein. Enfin bon. Ça me permettra de me changer. Donc. Ah, puis là, c'est pire. Bah, écoutez, hein, vous ne regarderez pas le dos. T'as pas un truc scotch? Non, ouais. Parce que c'est plein de poils. Ah bah, non, je... On va se couper. Ouais. Bon, je vous laisse là. Et puis, bah, on se retrouve côté à la machine. Là. Voilà. À tout de suite.